Eh bien, l'Argentine, c'est mettre zone nan, actuellement. Je vais dire encore pour les gens qui ne vont pas entendre. L'Argentine, c'est seule équipe. Même si elle a perdu le match, elle a prêté premier dans le classement. Répétez, nous partons, ça me dit bien. L'Argentine, c'est seule équipe. Il va gagner qu'il gratte tête. Perdu, il va perdre tête classement. Gagner, c'est point la continuer à mettre. Faire nul, son point la prendre. Ça veut dire que son équipe qui pose le tête frette. Actuellement, l'Argentine premier, il y a 18 points. C'est seule équipe qui fait. Après 7 journées, il y a 18 points. Il y a 21, mais il a perdu contre l'équipe uruguayenne. Équipe qui vient après, il a gagné 14 points. Donc, même les équipes qui viennent après, ils ont tabac et 17 pour la gagne. Ils ont même 18 et si ils ont perdu eux-mêmes. Donc, premier bagage qu'on connaît l'Argentine, en cas de victoire, ils ont gagné 21 points. Ils ont continué à aller vers l'avant, ils ont continué à mettre des points. En plus, l'équipe qui derrière, yon, qui c'est Uruguay, qui a gagné pour le jouer tout, dans le cadre de la 8e journée. Yon. Si l'Argentine fait match nul, ils ont gagné 19 points. Toujours. C'est pour la prendre. Donc, si l'équipe qui vient après l'an, qui est l'Uruguay en bas, la vingt 17, il y a 19. Kouna, si vous perdu, il y a peut-être à 18 points. Et je me dis, il y a toujours été premier, il n'y a pas perdu tête classement. Ça va ébranler. Et l'autre équipe qui a joué, c'est Colombie. L'équipe qui a joué, c'est Colombie. Colombie, troisième. Et l'Argentine, t'a doué. Attendez, oui. L'Argentine t'a doué passer mais sous Colombie n'importe 3-4-0 en façon si Brésil bat Paraguay on est même obligé d'ici parce que nous parlons grand Brésil c'est pas autrefois les Brésil pral jouer étant gain assurance à 80% Brésil pral bat donc modèle jouer ça moi Brésil gain connia là qui plus quoi nan fait chelé nan danser fait macaque là ou pas qu'à 3 et gain assurance sous Brésil ça donc dans le cas où l'Argentine a gagné Colombie passe dans 3-4-0 et puis Brésil lui-même même elle a fait une victoire 1-0 c'est Brésil qui a vinn prend troisième place parce que Brésil pas qu'à deuxième nous d'accord Brésil pas qu'à deuxième même le Brésil bat pas bien Uruguay gagne 14 points Brésil gagne 10 points Uruguay deuxième Brésil quatrième c'est peut-être équipe tirer les Colombiens si ont perdu ils ont 13 points Brésil bat la prend devant yo qui a bien même quantité de points alors mais Brésil pour différents goals, tout dépend des victoires qu'il va le faire et tout dépend des scores l'Argentine a battu la Colombie. Hein. Donc, Colombie lui-même, l'Ibaki doit perdre. C'est le premier bagage qu'on doit connaître. Deuxième bagage, si Colombie fait un match nul, la conserver troisième place. Colombie besoin seulement faire un match nul pour le conserver troisième place. Même le Brésil tabac, Brésil a prêté quatrième. Donc, on a Gonek qui m'a dit, à qui équipe Colombie va faire match nul? Gonek qui m'a dit, à qui équipe Colombie va faire match nul? Je vais vous répondre tout à l'heure. Donc, si Colombie bat maintenant, la sortie de 13, la vine à 16 points. Qui donc, équipe Uruguay, c'est bat pour le bat, même pour ne pas perdre deuxième place. Donc, deuxième place, et Uruguay, là, les menacés. Si vous même yo pas bat, donc si vous faites nul, y a 15. En cas de victoire pour Colombie, Colombie a passé à 16. Donc, équipe uruguayenne doit faire victoire. Ça, c'est pour sa situation y est pour l'instant. Maintenant, il faut regarder les 10 dernières confrontations entre Colombie et l'Argentine. La toute dernière rencontre entre la Colombie de James Rodriguez et l'Argentine de Lionel Messi, c'était dans la Copa América. C'était 14 juillet dernier, dans Hard Rock Stadium nan, aux États-Unis. L'Argentine tapral mette bagay dans mes équipes sacrées, les Colombiens, avec un green goal de petit crélé Lautaro Martinez. Actuellement, là, dans pile plein, ce n'est pas parmi grand nom, ce n'est pas parmi les favoris pour le ballon d'or. Et c'est Lautaro Martinez qui tapral inscrit goal victoire, goal titre, goal trophée. Ben, l'Argentine. Dernière fois yo joué Colombie, yo bat Colombie. Maintenant, bon bagage qu'on doit connaître. Colombie l'Argentine 10 dernières confrontations yo, l'Argentine li dominé Colombie. Nous allons regarder. L'Argentine battu en 2015.
L'Argentine battue en 2016. L'Argentine battue en 2022. L'Argentine battue en 2024. Qui n'ont 4 victoires. Mais dans combien de victoires ils ont fait eux-mêmes? Ils ont fait une seule grande victoire. C'était en 2019. Ils ont battu l'Argentine 2 goals à 0. Qui n'ont fait 5 matchs nuls. Ils ont fait nul 2013, 2015, 2018, 2021, 2021. Donc c'est 5 matchs nuls. C'est 5 matchs nuls. Ils ont victoire bon côté colombien. Yo. Depuis sur l'air, ça a été fait président nous. Hein. Même famille. Hein. Et moi, je suis mis des bails dans mes yeux. Je suis mis des bails dans mes yeux. Donc, deux dernières rencontres, l'Argentine jouait ensemble avec vous, guys. Bah, il n'y a pas de gars, non. Si on parle, il dit, oui, c'est une victoire 1-0, 1-0. Mais quand on a dit, il a dit, vite, bon, 1-0, ban on trouve. Bon, 1-0, ban on titre. Et qui ban nous, on 3 points alors. Je dis, c'est une victoire, etc. 1-0, pas victoire. Donc, c'est plus gros victoire là, 1-0. Ok? Donc, fanatique argentine, rencontre de football, ça joue à 4h30 pour moun qui Haïti, 4h30 pour moun qui République Dominicaine. Match de football, ça joue à 4h30 pour moun qui Haïti, 4h30 pour moun qui en République Dominicaine. Match à jouer dans Estadio Metropolitano Roberto Meléndez San Lacay, Colombie. Ok, dernière fois, l'Argentine à la Caille Colombie. Comment ça t'est? Bon, regardez comment je vais ça t'est. Dernière fois, il y a la Caille Colombie. Et dernière fois, l'Argentine à la Caille Colombie. Dernière fois, l'Argentine à la Caille Colombie. C'était. Et bon, vérifier là pour nous très rapide, guys. Écris ce là pour nous. Écris ce là en bas live là pour nous. Dis-nous comment elle a fini. Écris ce là. Dernière fois, l'Argentine à la Caille, c'était 2 buts pour 2. C'était dans l'éliminatoire Coupe du Monde 2022, donc 8 juin 2021. L'Argentine fait 2 buts pour 2 ensemble avec eux. Dernière fois, l'Argentine allait la Cayo City en 2021. Ils ont fait 2 buts pour 2. Qui dernière fois l'Argentine perdu la Cayo? Et qui dernière fois ils battent l'Argentine la Cayo? Dernière fois ils battent l'Argentine. Dernière fois ils battent l'Argentine la Cayo. Dernière fois ils battent l'Argentine la Cayo. Ok. Dernière fois ils battent l'Argentine la Cayo, c'était en 2007. En 2007, ils ont battu l'Argentine 2-1. Ils ont battu l'Argentine 2-1. Donc c'était dans l'éliminatoire Coupe du Monde. Ils ont battu l'Argentine 2-1. Eh bien, c'est ça va gagner lui-même lié. Mettez score là, dis-nous combien l'a fini. Mettez score là, dis-nous combien l'a fini. Fanatique Argentine, c'est nous lié. YouTube, c'est nous qui a mené dans le moment.